C'est ici, au centre hospitalier de référence de Ngaoundiri, au quartier Bikaho-Siri, que le ministre de la Santé publique a entamé sa visite dans la région de l'Adamawa. Nous allons partir là-bas de ce que les populations attendent, ces formations sanitaires. Depuis un certain temps, ces populations ont le droit de les avoir. Lancé en 2017, les travaux de construction devaient durer 18 mois. Mais 40 mois plus tard, le taux de réalisation physique de l'infrastructure est de 90%, d'où l'exaspération du membre du gouvernement. Il est hors de question qu'aujourd'hui nous soyons en train de traîner le pas. Donc nous allons être assez fermes sur notre position et pousser, n'est-ce pas, les entreprises à pouvoir aller assez rapidement, quitte à multiplier les équipements et les équipes sur le terrain, quitte à travailler 24 heures sur 24 heures, mais nous devons avoir au plus tard à la fin de cette formation sanitaire. Après le centre hospitalier de référence, le ministre de la Santé a mis le cap sur l'hôpital régional. Au centre d'imagerie médicale, le constat est amer. Devant ce scanner en panne d'activité, il décrit son dysfonctionnement. On vous donne le personnel. On le paye, on vous donne les équipements, on le paye. Les recettes de l'hôpital, c'est un don à quoi? Je ne parle pas seulement de l'hôpital régional de Kangere, mais ça va être l'ensemble des hôpitaux en termes de gouvernance hospitalière. Jusqu'aux hôpitaux généraux d'ailleurs. Parce qu'on leur donne tout. Ils ont des recettes, mais ils ne font rien. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. Il y a des équipements, des choses quand même que l'hôpital, sous fonds propres, devrait faire acquérir. Pour la première étape de cette visite de travail, le ministre de la Santé publique s'est aussi rendu au centre médical d'arrondissement Dombé et dedans pour s'enquérir de l'état de ses formations sanitaires. Nous sommes ici à l'hôpital régional de Ngaoundéré qui a ses problèmes comme les autres formations sanitaires. Nous avons noté les problèmes les plus urgents et nous avons promis apporter des la semaine qui arrive, un certain nombre de solutions qui sont déjà à notre disposition. Et puis, dans le temps, nous prendrons les dispositions pour que petit à petit nous améliorons l'état de l'hôpital régional. C'est l'hôpital régional, c'est un hôpital qui marche, mais qui a des petits problèmes qu'on va résoudre. Il reprendra ensuite son bâton de pèlerin pour aller toucher du doigt les réalités du corps médical. Dans les départements du Djerem, du Mbéri et du Faroé-Diou.